Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes, furaxiens et furaxiennes, et bienvenue sur ma chaîne pour cette dernière vidéo actualité de l'année 2023. C'est la semaine 52 et c'est la dernière pour l'année 2023. Mais bien sûr, hein, on va recommencer en 2024. Mille merci à tous et toutes de me suivre, hein. Je ne cesserai jamais de le répéter, mais merci de me suivre et de faire grandir ma chaîne un peu plus chaque jour grâce à vos likes, vos partages et vos commentaires. Vraiment, big up à vous, merci de me suivre pendant mes lives hier soir. Ce fut un live formidable, le dernier de l'année également, mais formidable, je me suis régalé à être avec vous et de voler sur les deux plateformes phares de simulation, hein, X-Plane 12 et bien sûr MSFS 2020. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, on le refera un peu plus souvent, ça sera des vols courts, mais on volera sur les deux plateformes avec les mêmes avions, pourquoi pas, ou des avions différents, le but n'étant pas de concurrencer l'un ou l'autre, mais de se faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde. Remerciements aujourd'hui particulier au super chatter de cette semaine, à Juicer qui m'a fait un super chat de 50 euros, hein, Juicer qui est le premier pharaon d'Égypte, et Barnabé Julien pour son super chat de 10 euros. Merci à vous les gars, vous aidez bien la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre et choisir de vous abonner en tant que PNC ou copilote. Et sous chaque vidéo, vous aurez le petit bouton merci qui vous permettra de me dire merci avec la somme que vous souhaitez. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas ni faire l'un ni faire l'autre, vous pouvez tout simplement liker mes vidéos, les partager sur les réseaux et bien entendu vous abonner à ma chaîne. Remerciements également au modérateur du chat et à Christophe Deline également qui me book souvent mes vols et que vous aimez voir parce que ça me permet de voler dans d'autres parties du monde que je n'ai pas l'habitude de voler car généralement je vole plus en Europe qu'ailleurs. Donc merci à lui, merci au modérateur, vraiment merci à vous de votre présence. Je vous souhaite également à tous et toutes un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre, hein, en famille ou entre amis, peu importe, l'essentiel ce sont les résolutions que vous allez prendre pour la nouvelle année, l'année 2024 qui arrive dès ce soir minuit. Donc je vous souhaite également en avance tous mes voeux de bonheur, voilà, et de santé surtout, c'est très très important. Prenez soin de vous mes amis et amusez-vous bien. En attendant, on va regarder l'actualité MSFS 2020 et on ira sur l'actualité X-Plane 11 et 12. Allez, c'est parti pour l'actu. Première news, MSFS 2020, Leonardo Softhouse a publié une nouvelle mise à jour pour son Flies MacDog X pour MSFS 2020 avec la dernière version pour le pack de base MD-82 et le pack d'extension MD-83-88 maintenant répertorié comme 1.2B179. Plusieurs problèmes ont été résolus dans cette mise à jour, l'équipe de développement apportant des mises à jour à la position du siège, au son répétitif et à quelques bugs liés à l'affichage. D'autres mises à jour ont été apportées au MacDog avec l'ajout des paramètres Aircraft Options dans l'application EFB, la modification du taux de refroidissement du chauffage du carburant et l'amélioration du comportement au ralenti de l'avion lors du roulage. La mise à jour peut être téléchargée depuis votre compte SeaMarket. Pour cela,
de télécharger le nouvel installeur et attention de l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc le clic droit exécuter en tant qu'administrateur et cela téléchargera automatiquement les fichiers mis à jour tout en conservant vos profils et paramètres. Pour ceux qui n'ont pas encore une copie de pack de base de cet avion, vous pouvez l'obtenir sur le C-Market pour la somme de 75€, bien sûr hors taxe. La fonctionnalité ACARS CPDLC de Hopi sera bientôt disponible sur le Boeing 787-9 du développeur freeware Horizon Simulation, selon les informations partagées sur le serveur Discord de Horizon Simulation. Hopi ACARS est un système utilisé sur le réseau VATSIM, entre autres, pour faciliter la communication que l'on appelle CPDLC, contrôleur pilote data link, entre les contrôleurs de la circulation aérienne et les pilotes. Le système peut être utilisé à partir d'un navigateur web connecté à votre compte VATSIM, bien que plusieurs add-ons pour divers simulateurs, y compris le A322 Phoenix et FlyByWire, utilise le système dans le cockpit lui-même, permettant au simulateur de communiquer avec le contrôle du trafic aérien sans ajouter de congestion aux fréquences déjà occupées. Donc c'est un peu comme si vous envoyiez des textos. Hein. Les captures d'écran teaser publiées montrent le système CPDLC fonctionnant sur l'écran multifonction MFD du 787 avec des options telles que ATC, Flight Information, Compagnie, Review et manager. Dans la section ATC, on peut voir plusieurs options telles que les demandes d'altitude, les autorisations conditionnelles, les demandes de vitesse, les textes libres, les rapports de position pour les vols océaniques et les demandes quand pouvons-nous attendre. Bien sûr, restez abonné à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications. Je vous informerai de cette update dès qu'elle sera disponible. Robert Randazzo de PMDG s'est exprimé sur leur forum pour révéler plus d'informations sur la prochaine sortie du tant attendu 777. Accompagné d'une série de photos extérieures, Robert évoque certains des détails minutieusement mis en œuvre par l'équipe de PMDG sur le Boeing 777. De la proue à la queue, l'avion scintille sous le faible soleil d'hiver à l'usine de Boeing à Seattle. Les vitres renforcées du cockpit montrent des signes de distorsion des couleurs au soleil, tandis que le fuselage est fidèlement fini avec des joints, des panneaux et des rivets. La peinture sur la queue diffère légèrement en fonction du matériau, qu'il s'agisse de fibres de carbone ou d'aluminium, donnant une véritable impression de la quantité de détails présents sur le modèle extérieur. Pour conclure le message, Robert indique que l'équipe bêta a été occupée lors de la première phase de test, signalant pas moins de 200 rapports de défauts pour que l'équipe de développement les examine et les résolve. Plus de la moitié d'entre eux ont déjà été résolus, ce qui est une bonne nouvelle. Et une nouvelle version bêta est entre les mains des testeurs et en tant que cadeau de Noël. Et il confirme également que l'équipe bêta a surveillé de près les performances du 777 et l'a trouvé similaire à celle du 737, ce qui devrait vous réjouir parce que ce sont des avions qui tournent plutôt bien. C'est la sortie événement de la semaine dernière, le A300-600R de InnyBuild est sorti et on était en live hier soir avec et franchement je me suis régalé, très bon appareil que je vous recommande d'ailleurs. La 300-600R Airliner est donc le dernier produit d'InnyBuild et une reproduction de l'avion d'Airbus et les variants cargo et fret sont inclus avec des moteurs General Electric GE CF6 80 C2
1. Vous avez vu comme c'est précis. Hein. Inibuild indique que cet avion est très détaillé avec beaucoup à explorer lors de son utilisation. Cela comprend un FMS personnalisé détaillé avec un plan de vol complet, site StarSec et un système VNAV et LNAV personnalisé qui suivra les contraintes d'altitude et de vitesse. Il y a un fonctionnement hydraulique et électrique de pressurisation de carburant sur mesure ainsi qu'un modèle de vol complet qui inclut des performances précises en vol et lors du décollage et de l'atterrissage. Il y a un modèle entièrement en 3D et un extérieur et une extérieure des variantes passagers et cargo de l'A300-600 avec des textures PBR optimisées. Ils fournissent également des textures basse résolution pour les personnes qui ont une machine, qui n'ont pas une machine de guerre. De nombreux éléments sont inclus tels que des options de maintenance, des indicateurs d'usure, des freins, un panneau de ravitaillement, un capot APU ouvrable, une usure visible des pneus et une simulation précise de l'armement des portes. Les toboggans d'urgence se déploieront également sur le variant passager. Inibuild a également inclus une suite complète de sons WIZ à partir d'enregistrement du vrai avion ainsi qu'une implémentation avancée d'environnement sonore pour l'extérieur, la cabine et le cockpit. Les autres fonctionnalités incluent des charges utiles prédéfinies avec des modèles visuels. Pensez aux charters d'équipes de course, aux écuries de chevaux, aux pièces aéro et du fret postal ainsi que des folie blocks. Il a également un EFB à bord qui vous donnera la possibilité d'intégrer Navigraph, Simbrief et d'utiliser le calculateur de performance. Donc cet avion est disponible sur le site de Inibuild pour la somme de 34,99 pounds, ce qui devrait vous faire à peu près 44 euros. Le développeur Lift2Air a sorti un nouvel avion pour MSFS, le Zivko Edge 540, qui est un avion acrobatique monomoteur monoplace, capable d'un taux de roulis de 420 degrés par seconde et d'un taux de montée de 3700 pieds par minute. Il a des capacités acrobatiques vous permettant de participer à des courses aériennes et des cascades. Donc le produit, quand vous l'achèterez, va comprendre trois variantes, chacun créé avec des modèles 3D et des textures de haute qualité. Il existe plusieurs configurations du cockpit, diverses animations et un EFB embarqué. Il y a également un panneau de disjoncteur fonctionnel et vous pouvez acheter cet avion sur le C-Market pour la somme de 14,49 euros. On en a terminé avec l'actualité MSFS 2020. Première news, X-Plane 11 et 12, Félix Simulation met à jour son excellent Boeing 747-200 classique. Donc l'avion va passer en version 1.2.5, donc très grosse mise à jour que je vous recommande de faire. Cet avion est à mon sens le meilleur classique existant sur toutes les plateformes confondues et c'est un avion que je vous recommande fortement. Vraiment, cet avion est magnifique, a un cockpit fonctionnel. Vous y retrouverez également des checklists interactives avec le copilote et le mécanicien et vous avez trois systèmes de navigation différents, FMC personnalisé. Vous allez avoir également LTN, un système de navigation LTN et vous allez également avoir un système SIVA, une centrale inertielle qu'il y avait dans les avions de base. Vraiment superbe avion que je vous recommande. En plus actuellement il est en promo, si vous aimez les classiques, vous aimez un peu le challenge, vous pouvez le retrouver actuellement sur le xplane.org pour la somme de 50$ et franchement vous ne regretterez pas votre investissement. Le célèbre SR-71 de V-Skylabs, donc c'est un avion mythique hein, que j'ai bien sûr dans ma bibliothèque, on fera un live sous peu avec, a été mis à jour par V-Skylabs. Ça fait partie des avions test pilote, donc ce sont des avions qui sont constamment mis à jour
pour bien sûr améliorer leur fonctionnalité. Hein. C'est un avion franchement qui est vraiment incroyable, qui vole à une vitesse folle, qui voilà, qui monte à une altitude, je crois qu'il peut monter pratiquement à 60 000 pieds, sauf erreur de ma part. Vous avez un ravitaillement en vol qui est dessus. C'est toujours du très bon boulot. C'est la maison V Skylabs qui sort cet avion. Donc là, c'est pas une mise à jour majeure, mais je vous recommande tout de même de la faire en passant par le Skunkraft Updater. Et vous pouvez retrouver cet avion pour la somme de 37 $ sur le xplane.org. Le Bell 407 de JRX Design a été mis à jour. C'est un hélicoptère léger à usage polyvalent qui a été produit par la société américaine Bell Hélicoptère, une division de Textron. Il a été introduit pour la première fois en 1995 et est basé sur le modèle Bell 206L Long Range. Et donc, c'est un avion qui a été conçu bien sûr pour être polyvalent et capable de s'adapter à diverses missions. Il est souvent utilisé dans des rôles tels que le transport de passagers, la surveillance, les opérations de secours et le transport médical d'urgence. C'est un hélicoptère que je possède. D'ailleurs, quand les copains seront revenus de vacances, on fera un live hélicoptère en réseau. Vous allez voir, l'hélico est très très sympa. Vous pouvez le retrouver sur le xplane.org si vous ne l'avez pas pour la somme de 35,99 $. Et bien sûr, la mise à jour est gratuite si vous le possédez déjà. On en a terminé avec l'actualité xplane 11 et 12. On arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine 52 de l'année 2023, dernière vidéo de l'année. J'espère que mon travail vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et bien sûr à cliquer sur la cloche des notifications, puis tout, hein, pour être averti des nouvelles vidéos et lives à venir de la nouvelle année 2024. Vous pouvez également me rejoindre sur le serveur Discord de la chaîne, sur ma page Facebook et sur Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Les amis simmeurs et pilotes, furaxiens et furaxiennes, une seule chose à vous dire, passez un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre et en attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de toutes les personnes que vous aimez. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye et fly safe.